Je doute énormément. J'ai un certain cynisme quant au travail des autorités. Et en même temps, j'ai beaucoup confiance dans la sagesse de la population. Ben, les situations sont similaires entre la France et le Québec. Au début, il y a eu adhésion de la population aux consignes et au savoir-faire médical. Et là, au contraire, là, cette confiance est en train de s'effondrer, mais de façon catastrophique. Il y a eu un effondrement de la confiance sociale, et c'est grave, ça. Puis c'est la même chose chez vous, hein. Le Québec vit quelque chose de catastrophique en ce moment, alors qu'on prétendait qu'on allait prendre le dessus, que notre système médical était très au point et tout, mais non, ça y est pas, ça y est pas du tout. On vit dans un monde magique. On regarde nos ressources de communication, on regarde la richesse accumulée par notre société. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais disons que pour nous, la classe moyenne, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. La crise, c'est vraiment une crise qui est liée à la destruction des écosystèmes naturels, à l'envahissement des des forêts, des écosystèmes naturels par toutes sortes de pirateries. Vous savez que le commerce des espèces animales sauvages est une des plus grandes sources financières du crime organisé, à l'échelle de plusieurs dizaines de milliards. Puis je ne dis pas qu'il n'y a que les Chinois là-dedans, il y a tout le monde qui trafique ces espèces-là. Alors, on doit des excuses aux pangolins, tu sais. Bon, j'ai plutôt hâte. Moi, je suis quelqu'un de social. Là, voilà. Ce qui me manque le plus, c'est d'avoir une chorale avec laquelle chanter. C'est vrai qu'on pourrait le faire en mode virtuel, en mode... Mais c'est pas la même chose que de chanter dans un rapprochement physique avec d'autres personnes. Ah, ici, de toute façon, quand l'été arrive... là, on vient de vivre 5 mois d'hiver. Quand l'été arrive, tout est possible, on s'éclate, on vit dehors, on vit au soleil. Là, nous, on fait le jardin, on va avoir des radis dans 2 semaines. C'est le début de quelque chose. Mais il va falloir être prudent et on va être très content justement de voir mes nièces, mes neveux, les nouveaux bébés de l'hiver.